herbe à chat, jatropha, citronnelle. Ces plantes sont les ingrédients essentiels de l'entrepreneuse burundaise Ginette Karitekinyana. Elle est la fondatrice d'une gamme de cosmétiques anti-paludisme connue sous le nom de Karir. Après avoir passé des années à étudier et à mener des recherches en environnement et en médecine au Canada, Ginette est rentrée chez elle au Burundi en 2010. Elle a commencé à travailler et à expérimenter avec différentes plantes et herbes cultivées localement. À partir de là, Ginette a développé une gamme de savons, de lotions et d'huiles anti-moustiques à base de plantes. Pour d'abord éviter, prévenir le paludisme qui est un frein au développement et pour créer des emplois et pour valoriser l'environnement et pour mettre à la disposition des gens des produits nécessaires pour éviter les piqûres de moustiques. Les budgets des ménages étant limités par les coûts élevés des médicaments et des traitements, tout comme les honoraires des médecins et le transport vers les cliniques, Karitekinyana pense que ces produits sont une alternative plus saine et moins chère. Ils ont compris que le paludisme, c'est une maladie grave. Et donc, on doit lutter contre le paludisme avec des produits locaux, pas seulement les produits qui viennent de l'extérieur. Donc, on produit ici localement et puis on consomme localement et surtout, on prévient le paludisme. Son initiative est très importante. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu 219 millions de cas de paludisme dans le monde en 2017. Cette maladie transmise par les moustiques a tué 435 000 personnes, la plupart en Afrique subsaharienne.